Déjà, il y a un truc qui va pas. Allez, je viens de passer la crête. On va droit au plat. Et ensuite, on va se balader en chartreuse. Trop bon, le lac des Gbelettes juste devant moi. C'est parti. Premier plafond, je suis pas très haut, je suis à 1700 mètres. Droit sur le mont Outeran et derrière il y a le granier. Je suis en train de me faire secouer les pruneaux là. Je suis enfin passé à 2000 mètres. Mais je suis sous le vent de je sais pas trop quoi là, les vallées vont un peu dans tous les sens là. On raccroche le granier à 1500 mètres. Ça c'est bon. Oh, il y a un avion. Bah, l'objectif c'est Cham Chaude là, tout au fond. Regarde-moi cette beauté! C'est magnifique! Et ça monte en plus! Ah, qu'est-ce que c'est beau, putain! Je suis comme un dingue! J'avance pas vite là, mais bon, c'est pas grave, on a le temps, on a tout le temps! Je tente un truc peut-être un peu risqué, je passe en face est. Oh, au pire, je me dis, hein, on rentre en stop, on s'en fout. De toute façon, il faut être prêt à tout pour crosser. Allez, face est. C'est parti. Il y a des beaux cumes là-bas. J'espère monter, monter au-dessus des cumes. Ça ne monte plus. Ah si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai flippé un peu en 2 secondes. Je suis enfin arrivé à retomber sur mes pattes. Tête la vache. Je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, je suis super bas, fais chier. Il y a voile au-dessus de la tête. Il faudrait que je raccroche les lances de Malissa, ouais, c'est ce qu'il y a devant. Pour ça, il faudrait que je prenne un thermique. Ça, c'est ce qu'il n'y a pas. On va voir. Ça y est, chef, ça monte. Ah, ça monte, façon de parler. Passera-t-il le col? Oh, je vais me faire couper en deux. Soit devant, soit derrière, là. Oh, putain. Allez, vas-y, 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 mon chili. Je viens d'attaquer les lances de Malissard, là. Faut que je passe ce putain de col. Ça va le faire. C'est-à-dire quand je vais arriver derrière le col, c'est là où je vais me faire couper en deux. Mais peut-être que ça rentre aussi un peu de côté vu que c'est au soleil. Voilà, on passe au-dessus. Voilà là, Cham Chaude, la dent de Crône, et là droit sur le grand son, et ensuite on va jusqu'à la grande son là-bas. Alors, il doit être 16h30, un truc comme ça. Donc, large. On a encore 2-3 heures de vol devant nous. Allez, feu, partez.
Bah ça y est, arrive au grand saut. J'ai récupéré la chasse cam là, putain, il n'y a plus de batterie dans la GoPro, fais chier. Allez, c'est parti. Trouver un thermique. Peut-être me poser en haut, je vais voir. Youhou. Oh, ça c'est beau, putain. Et on quitte le grand son. Magnifique. Je suis parti à 2000 et quelques. Et là, l'objectif, c'est la grande sur, là-bas. On y croit, on y croit. Et ce soir, on va raccrocher là-bas. J'ai galéré à redécoller. On peut dire laborieux mais pas infaisable. Pas bon, ça sent pas bon. Là, j'ai 20 bornes à faire pour rentrer. Le soleil se couche dans une heure. Ça va être chaud. Bon. Je dois cheminer tout le long de cette crête là jusqu'à là-bas. Donc on y croit. Et donc j'ai moins de 30 minutes pour rentrer en gros. C'est chaud. Il est 18h21. J'ai fait un tiers de mon parcours et j'ai pas trouvé de pompe. Ça sent bon les amis, ça sent bon. Là je suis remonté à 1350. Faut que j'aille me poser là-bas. C'est 18h35-36 là. Ça va être chaud, mais ça va le faire. Alors. Hey. Ah c'est bon ça. Ah putain le parapente c'est la passion mec. C'est pour ça qu'on en fait 5-6 heures de vol dans la journée. Posé 19h. Je suis même dans les qualités. Allez tchuss.